Il fait partie des grands noms de la photographie. Il a côtoyé les plus belles femmes du monde en réalisant les campagnes publicitaires de grandes maisons comme Dior, Lanvin ou Cardin. Nelson Mandela, Frank Sinatra, James Brown ou Charles Aznavour, pour ne citer qu'eux, ont posé pour lui. Et dans les années 80, il était aux côtés de la princesse Stéphanie lors du tournage du clip de la chanson à succès « Comme un ouragan ». C'est d'ailleurs certainement pour cette dernière raison et par amitié qu'il revient toujours avec beaucoup de plaisir à Monaco. Le photographe Jean-Daniel Lorieux effectue actuellement des prises de vue en principauté pour la parution d'un ouvrage faisant partie d'une collection consacrée aux plus belles villes du monde, vues par des photographes renommés. C'est pour moi un joyau, un endroit magique où je suis venu déjà faire énormément de shooting parce que tout est merveilleux. D'abord, la première chose, il y a un accueil, il y a une gentillesse qui est assez rare, surtout à notre époque. Mais également sous le plan graphisme, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on veut sur un petit noyau. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. Et quand on m'a demandé de faire soit Cannes, Saint-Tropez ou Monaco, il est bien évident que j'ai bondi tout de suite en demandant Monaco. Et puis je vais être aidé aussi pour trouver des petits coins de Monaco que je ne connais pas par la princesse Stéphanie qui m'a dit « Jean-Daniel, moi je vais te faire découvrir des petits endroits extraordinaires ». Par amitié toujours, Jean-Daniel Lorieux a couplé cette série de shooting photos à Monaco avec la réalisation de clichés destinés au catalogue du créateur de bijoux installé à Monaco, Marco Molinario. Je pense qu'il était normal d'associer deux bijoux, deux joyaux, d'abord la principauté de Monaco et Marco Molinario, que j'ai toujours admiré quand j'ai vu pour la première fois les réalisations que faisait cet homme et sa gentillesse. Et il a tout de suite explosé, puisqu'on a vu des gens extrêmement connus ici porter ces joyaux. Notre marque est basée donc sur des collections qui sont associées à des lieux de la principauté. Tout simplement, la marque est associée à la principauté de Monaco. Donc forcément, à chaque fois qu'on a un shooting, à chaque fois qu'on fait quelque chose en image ou en vidéo, Monaco est toujours présent, tout aussi bien que sur notre site et sur toutes les publications que l'on fait sur les réseaux sociaux. Pour la réalisation de cette série de photos à Monaco, Jean-Daniel Lorieux a choisi un mannequin sculptural, l'Ukrainienne Liliana. Et par fidélité à la principauté, il sera très bientôt de retour à Monaco pour une exposition et pour retrouver également la princesse Stéphanie, dont il souhaite soutenir l'association qu'elle préside, Fighteds Monaco.